Coucou YouTube, comment allez-vous? C'est Ras Super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de la One Unbox. Comme d'habitude, tous les mois une box, tous les mois un unboxing. On est y par. On va donc aller voir ce qu'on a reçu ce mois-ci. Et on commence tout de suite, sans perdre de temps, par la première... Premier goodies, qui est un goodies Suicide Squad. Plutôt sympathique, c'est donc une petite figurine. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas ce type de box, il y a des dizaines et des dizaines de marques qui sont dispo. Ça, c'est une box américaine. Le gros point négatif de cette box, c'est qu'elle est envoyée dans sa boîte. En fait, elle n'a pas de protection, on va dire. C'est pas comme la Loot Gaming, par exemple. Donc ça, c'est la box que vous recevez dans votre boîte aux lettres, mais c'est aussi la boîte de la box. Ce qui veut dire que si l'emballage est abîmé, ça peut abîmer le contenu. Jusqu'à présent, je n'ai jamais rien perdu. J'ai toujours eu... il n'y a jamais eu de choses qui se sont perdues. Mais je trouve que c'est un petit peu léger comme emballage. Et du coup, à l'intérieur de ce type de box, on a donc plein de goodies. Donc ça peut être des figurines, comme ici. On va voir un petit peu ce qu'on a eu. Ça peut être des t-shirts, ça peut être des paires de chaussettes geek. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'on a. On a donc des figurines Suicide Squad. On peut avoir le Joker, Harley Quinn, je sais plus qui c'est. Ça, c'est le gars du feu. J'ai vu le film. D'ailleurs, j'ai bien aimé le film. Je sais pas si vous l'avez aimé ou pas, mais personnellement, j'ai bien aimé. Alors, voyons voir. On a une chance sur 12. À la limite, j'aimerais bien avoir Harley Quinn. Harley Quinn ou le Joker? On va voir un petit peu ce qu'on a. Vous me direz en commentaire quel perso vous voulez. Et on verra un petit peu qui a de la chance. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on a? Petit sachet noir. Alors, attendez, je reprends le ciseau. Voilà. Alors, attention, je vous montre en premier. C'est qui? Ah, c'est un soldat. Ok, très bien. Donc, nous avons eu monsieur. Voilà, bon, écoutez, c'est pas vraiment celui que je voulais, mais ça reste cool. Le petit test, il tient debout. C'est parfait, donc ça commence bien. Une petite figurine, je préfère les figurines pop, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah la voilà, Harley Quinn. On a une... comment ça s'appelle? Une sorte d'attache à mettre sur les valises. Voilà. Oh putain, elle est super belle. J'adore Harley Quinn avec ses couleurs bleues et roses. Je trouve ça magnifique. Voilà. Petite blonde aux yeux bleus avec les petites mèches. Plutôt stylé, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est ce qu'on met sur les... sur les bagages ou autres, qu'on prend le train ou l'avion pour mettre donc nom, prénom, adresse, etc. etc. C'est pas très... Enfin, je sais pas si c'est toujours utilisé, mais pour ceux qui aiment bien les comics ou l'univers DC... Parce que je crois que c'est DC qui fait ça, attendez. Faut que je dise une connerie aussi grosse que ma mythe. Ouais, si, c'est ça, c'est DC Comics qui fait ça. Donc, pour les fans de DC Comics, pour le moment, ça commence plutôt bien. Deux petits goodies en rapport avec ça. Après, nous avons... un goodies Nintendo Mario, j'imagine. Voyons voir ce que nous avons. Oh, nous venons d'avoir non pas une figurine, mais une écharpe. Voilà, tout simplement. Donc une écharpe avec un motif que nous pourrions appeler de fantôme. Fantôme, on a là l'éponge. Enfin, pas l'éponge, la pieuvre qui met de l'encre sur l'écran. On a un petit champignon. On a les petits fantômes, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit Yoshi, enfin c'est un sacré bordel. Noir et blanche, elle fait très Halloween je trouve. Bon personnellement je ne mets jamais de cravate, mais à la limite, pourquoi pas, hein, les box, bon pourquoi pas. Mais personnellement ça ne me sera pas très très utile. Suivant, qu'est-ce que nous avons? Ah, le t-shirt, ouh, alors là, attention, parce qu'au niveau du t-shirt, je pense qu'on va avoir quelque chose de plutôt sympathique. J'allais dire, dommage, un petit peu dommage au niveau de la box, le t-shirt rattrape tout. Regardez-moi ce t-shirt, comme il est magnifique. On a donc Batman avec le Joker, avec le fameux rire du Joker, ha ha ha, qui rigole autour. Batman est sur sa tête derrière un
Coucher de soleil, j'imagine, avec les chauves-souris au loin et la ville de Gotham sur les côtés. Le t-shirt est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Bon, ça rattrape. Heureusement que ça rattrape un petit peu parce que... Bah, on va pas se mentir, c'était pas folichon, folichon jusqu'à présent. Petite cravate que j'utilise pas trop, une petite figurine. Si je peux vous donner un avis, ce type de box, donc les One-Up Box, c'est vraiment les box où j'ai souvent le plus de déceptions sur celle-ci. Il y a des fois, on reçoit vraiment du contenu, bon, c'est pas incroyable, incroyable. Après, on avait donc un autocollant de la Team Rocket qui est assez marrant. Et donc, un petit pins One-Up Box, petit pins de février 2017 sur le thème Ennemi. Donc voilà un petit peu pour le thème. Et après, on a donc un récap qui nous explique donc qu'on pouvait avoir une figurine, un Lil Monster Lugage Tag, un stickers, une necktie, donc c'est cravate en anglais j'imagine, et un t-shirt. Le t-shirt est vraiment badass. L'autocollant, vite bien fait. Moi, je suis pas ultra fan de DC, mais je pense que si j'avais eu peut-être un perso un peu plus charismatique, ça aurait été plus cool. Le petit truc des bagages, qui reste sympathique. Enfin, un petit truc cool. Plus, le caoutchouc est quand même assez épais, donc ça reste sympa. Petite cravate qui peut être très cool si on en met. Bon, bah, tant pis pour moi, j'avais qu'à en mettre. Par contre, moi, ce que j'aime bien mettre, c'est des t-shirts. Et celui-ci, il est super joli. Personnellement, j'aurais pu l'acheter sur QWERTY. Pour info, QWERTY, c'est un site qui vend des t-shirts. Les t-shirts valent à peu près 10 euros. Cette box-là vaut 19 euros et quelques. Donc, vous faites le calcul. Vous êtes sûr de choper un maillot et vous êtes quasiment sûr de choper une figurine minimum. Plus quelques goodies. Après, comme je l'ai déjà dit, ce type de box, c'est pas une box pour gagner de la thune. Vous n'allez absolument rien gagner en achetant ce type de box. C'est vraiment, si vous reste de la thune en fin de mois, que vous voulez tenter un truc, vous achetez une box. Et je conseillerais même plutôt d'en acheter... Testez plusieurs marques en fait, n'achetez pas toujours la même, ne prenez pas d'abonnement même, mais juste achetez une fois celle-ci, achetez une fois une autre, achetez une fois une autre, histoire de voir un petit peu ce que donnent les autres. J'ai la chance d'en recevoir pas mal chez moi tous les mois, en ce moment j'en reçois deux par mois, et d'un mois à l'autre, c'est un coup c'est bien, un coup je suis un peu en mode mouais, puis un coup c'est vraiment stylé. Mais là le t-shirt est vraiment, vraiment, vraiment stylé. J'adore Batman, j'adore le Joker, et voilà, magnifique. En plus, avec un petit peu orange comme ça, ce sera magnifique en stream. Ma chaîne Twitch en description, comme d'habitude. Moi, je vous laisse là-dessus pour cette petite vidéo d'unboxing. Pensez à la liker, à vous abonner si ça vous a plu, et à me dire vos retours pour cette box. C'était donc la One Up Box du mois de février 2017 avec le thème Ennemi. On se laisse là-dessus, c'était super. Portez-vous bien, je vais aller coller... ce petit autocollant sur la table où il y a mes PC. D'ailleurs, je vais vous montrer, tiens, parce que vous le savez peut-être pas, mais en fait, toutes les box que je reçois, enfin, tous les autocollants que je reçois dans les box, eh ben, je les colle, en fait, sur cette petite table. Donc, voilà mes deux PC. Et pour ceux qui veulent, la vidéo setup est dispo sur cette chaîne. Et donc, en fait, je colle au fur et à mesure les autocollants. Donc, on a Megaman, Harry Potter... petits trucs YouTube Gaming, des petits trucs GoPro, des petits trucs tout dark. D'ailleurs, je viens de recevoir le jeu, on fera une vidéo là-dessus. Petit truc Elgato, I Love Woodbox, etc., etc., etc. Et là, le petit pixel art que j'ai fait la dernière fois. Bref, on se laisse là-dessus, c'était super. Portez-vous bien. Bisous, tchou tchou!